Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de Marvel's Avengers. Alors deux petites choses avant de revenir. Première chose, une nouvelle à mon avis pas très intéressante pour vous, mais bon, je le dis quand même. J'ai beau enlever les quelques petits menus qui apparaissent ici et là, parfois où je prends un petit peu trop de temps, je gagne finalement qu'une ou deux minutes sur deux heures, donc c'est pas énormissime. Je vais continuer à utiliser le système d'auto-équipement pour l'instant, je suis pas au niveau max, donc je veux quand même garder le principe de puissance. Et enfin, j'ai remarqué qu'il y a des problèmes, enfin on m'a fait remarquer qu'il y a des problèmes de lag dans les vidéos. J'ai donc modifié quelques petites choses sur mon setup d'enregistrement. On verra bien si c'est mieux comme ça. Je suis désolé, c'est encore une fois malheureusement pas en mon pouvoir de régler tout ça. Le jeu n'est pas bloqué, c'est parce qu'il m'invite obligatoirement à appuyer sur Tab pour faire apparaître le menu qu'on a vu donc dans le précédent épisode. Je n'ai donc pas avancé, j'ai donc full monté, full uploadé, donc là on est vraiment à fond de chez fond, du coup ça je peux les enlever pour le moment. On va donc continuer à augmenter aussi le pouvoir, la puissance de Kamala en premier lieu. On verra s'il y a besoin de tous les faire au fur et à mesure. Des traces résiduelles de radiation gamma dans une région isolée du nord-ouest pacifique. Il semble que Madame Rapacini se serve de vos recherches pour y réaliser des expériences. J'ai marqué l'emplacement sur le terminal de mission. Parfait. Il est gentil. Très bien. Nous allons faire d'autres missions. Cela dit, nous allons continuer la mission principale pour peu qu'elle soit dans notre, on va dire, range de niveau. On est en 15 plus 5. Notre personnage est en... Bah écoutez, allons-y, soyons fous, on verra bien. Dans le pire des cas, ça pourra nous aider à avancer dans l'histoire. Et tout simplement, on découvrira peut-être un nouvel Avenger à ramener à la maison, en tout cas au Chimera, à la Chimère. Attends, crac, voilà. Ça vient de faire apparaître certaines notifications par rapport à la qualité de l'enregistrement. J'espère que tout va bien aller. Tony, dans toute sa subtilité. Après toi. C'est dommage de... What the fuck? Oh, ça a dû faire mal. Ça a dû faire... Bon, j'ai essayé, hein. J'ai cru qu'il y avait un passage, un truc. J'ai essayé. Ça valait le coup. J'arrive pas à croire qu'on va frapper à la porte de Tony Stark. Moi non plus. Il y a encore de l'écho, c'est mignon, hein, mais... Ils sont de l'autre côté. Tu crois que tu peux trouver un moyen de traverser? Oh, tu... ouais. Ah oui, c'est un pont. C'est un pont. Mais le grand gaillard n'est pas très doué pour discuter. C'est vrai. Je comprends pourquoi t'es... Moi j'y arrive. Il aime casser des choses. Moi non. Pourquoi? C'est plutôt marrant. Ah c'est vrai, du coup tu vas pas passer. Ah c'est pas mal, ça fait vraiment alors, jeu solo pour le coup. Quand on est Hulk, doit bien y avoir des avantages. On devrait vraiment se concentrer sur le pont-levis. Un coffre doré posé comme ça, sans rien dire tout le long. Ok. 11 de puissance, nice. Bonne idée. Comme tu veux. Hop là. Encore des rochers? Pas de problème. Eh non, y'en a pas de rochers, je vois pas où tu vois ça toi. Joli, c'est joli. Ah d'accord. Pa pa ra pa 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 ra. Est-ce que ça va? Je vais bien. Et là, comme un couillon, tu retombes en bas. Acre doré. Enfin un bout. Super. Et tu pourrais traverser et abaisser le pont? Tu m'en occupes. Je peux sauter par-dessus. Juste un peu plus loin cette fois. Et voilà. Short. Wouah. Sinon il y a des commandes électriques sans doute hein. Voilà. Il lui faut un peu de jus. Hein? Il lui faut un peu de quoi? Les lois de la physique sont impénétrables. À moins que c'était des trucs de verrouillage pour s'assurer véritablement que même en cas de interaction électrique, mais ce serait... Calme-toi. Beau boulot. On dirait qu'il est levé en tout cas. Ce serait pas une de ses 5 meilleures chansons pour
beauté des fesses. Ouais, la numéro 4, je crois. Ouh, ouh les belles tutures. Je me demande si Monsieur Stark voudra bien me laisser conduire une de ses voitures. Alors, dans la plupart des médias populaires et récents, contemporains de Marvel, les plaques d'immatriculation veulent dire quelque chose. DBM, je vois pas ce que ça pourrait être. Ok, je vois qu'il est... Tiens, regardez, DBM encore. 2657, elle est réapparue ici. C'est étrange. Continuons. Et voilà, Acre Doré. Wouh ! Oh, avec la lune et tout, c'est... magnifique. Ça peut pas être ça. Attends. En train de me dire que la villa, elle est minchie. Et qui vit dans une roulotte ? Tony Stark ? Le grand Tony Stark vit ici ? Ouais, on dirait bien. Tony ? Youplé ! Oh, des saucisses ! Je veux bien une saucisse. Salut, Bruce. Tu vas me donner une saucisse, Tony ? Mal dormi ? Oh, depuis 5 ans. Au moins, t'es au calme. Je l'étais. Je... Oh. Hé, hey, mais arrêtez ! Oh, désolé. T'es qui, toi ? Kamala. Eh ben, Kamala, ton ami aux yeux verts n'est pas le bienvenu chez moi. D'accord. Je l'ai mérité. Ouais, tu mérites même bien pire que ça. Les Avengers sont-ils un danger pour la société ? C'était la question, Bruce. C'était ça, la question. Est-ce que tu as étudié les données ? Les données scientifiques. Bruce. Non. On s'est fait avoir. Le réacteur Terrigène était instable. Oh. Et tu le savais. Tu le savais et tu l'as quand même exhibé devant le monde entier. Et donc quoi ? On abandonne ? On n'a pas abandonné, Tony. On a échoué. Moi au moins, je peux l'admettre. Non. On aurait dû le sauver. On aurait dû. C'est intéressant. Hein. Parce que du coup, Bruce n'arrive pas à admettre qu'il a tort. Alors qu'on lui a montré une preuve. Prends le temps que tu voudras. Mais cette fille est inhumaine. C'est notre faute. Et elle a besoin de toi. Je ne peux pas. Comment ça ? Tu me laisses tomber ? Eh, ne le prends pas personnellement, tu sais. Il fait ça avec tout le monde ? Non, il est juste comme ça, tu vois ? Et regarde un peu autour de toi, hein ? Je peux à peine m'occuper de moi. C'était une erreur. Là, au moins, on est d'accord. Bon, allez. Quoi, vous allez rien faire du tout ? Les Avengers ont été piégés. Cap s'est fait tuer. Tu crois que je le sais pas ? Hein ? J'ai repensé à cette journée des milliers de fois. On blâme les Avengers malgré tous les gens qu'on a sauvés. Et ce salaud Tarleton s'en sort, et il est blanc comme neige. Et devine quoi ? Devine quoi, tous ces gens ? Il s'en fiche. Fallait rejeter la faute sur quelqu'un. Et lui, il a désigné des coupables. Donc, à moins que vous ayez une preuve irréfutable, je vous suggère de vous tirer d'ici. C'est quoi ça ? Une preuve irréfutable. Une preuve. Cette coupure de merde ! Vous m'avez fait mariner. Vous pouviez m'en parler plus tôt ? Non, non, non. Pas sur mon canapé. T'es pas pardonné. Le gamin. Où est-ce que t'as eu ça ? J'ai deviné votre mot de passe sur un blog de la Résistance. Incroyable. Votre mot de passe, c'est « Je suis Iron Man ». Vraiment ? Je l'avais pas changé. Bordel de merde. Je sais, il me qu'un bout. Il y a tout un dossier sur le serveur de l'AIM. Non, non, il y a autre chose. Quoi ? Ouais, regardez,
C'est malin, ils l'ont encrypté pour qu'il ait l'air corrompu. Dans quelques heures, on aura la suite. Ouh ! Qu'est-ce que... Qui c'est cette ballerine ? Bah ! Black Widow ! Oh non ! Il faut qu'on fiche le camp ! Quoi ? Tu connais déjà cette fan de casse-noisette ? Oui, elle m'a aidée à Jersey. Heureusement qu'elle m'a prévenue pour l'AIM. Vraiment ? La ballerine ? Il faut vraiment qu'on y aille. Maintenant. Bon. Moi, je suis plutôt SCDC. Ok. Il faut que je m'habille. T'as une armure ? Oui. Enfin, peut-être. On verra. Oui ! Excusez-moi, je vais aller enfiler quelque chose de moins confortable. Ah, oui ! Pa, pa, pa. Oh, la posture! Ah, c'est là que j'ai laissé mes bottes. Il est con, il est complètement con. Hop les... Hop. Toc toc. Bien sûr, Bruce a essayé de me refourguer la gamine rebelle. Après toutes ces années, il tente encore d'échapper à ses responsabilités. Alors ça, c'est assez cool, parce que... Oh, fils de... bon, on dirait que la... Une des choses que j'ai toujours appréciées dans les jeux, c'est les moments où, par exemple, Batman va chercher son costume et le met, etc. Et pour le coup, ils ont mis ça pour Iron Man, alors que dans chaque film, dans chaque itération, on a pu voir ça. C'est toujours très très cool de le voir faire. Alors je vais revenir sur une petite chose avant de continuer. Alors mon micro doit saturer as fuck. Hop, voilà qui devrait être un peu mieux. Même si ça va être un peu moins fort pour vous. Petite chose que j'aimerais revenir. La question qu'on a demandé à Bruce Banner, c'était: est-ce que les Avengers sont dangereux? Toute armée est dangereuse. Une armée est dangereuse parce qu'en fait, elle a les capacités de soulever un état. C'est par exemple ce qu'on peut voir quand on voit des coups d'état. Et donc là, pour le coup, dire que les Avengers sont dangereux, oui, ils sont dangereux, comme n'importe quelle arme, comme n'importe quel petit couteau aussi avec lequel vous pouvez faire la cuisine. Donc oui, c'est dangereux, mais est-ce qu'ils sont pas eux non plus utiles? Est-ce qu'ils sont pas plutôt aussi bien organisés? Est-ce qu'ils ont pas réussi à faire plein de choses positives? Donc le piège... Ouch. Nice. Le piège du comment du J'ai l'impression qu'ils t'ont trouvé, Bruce. J'ai pas envie de casser mon... Bon bah, mon mobilier. Bon bah, finalement, je vais le casser, hein. Vous n'aurez pas mes heures de travail. Tout ça pour dire que voilà, il y avait moyen de faire amende honorable, selon moi. Qui plus est, ah, Esba à côté, nice. Arrête de me juger, grand-père, je fais de mon mieux. Ça pourrait dire qu'il y avait mieux à faire. Et je ne sais plus, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Ah oui, tout ça pour dire que donc le crash de l'héliporteur était un piège, oh, mais la question était un piège. Volante de grand-mère, toujours resplendissante, pas comme son inventrice. Elle n'a pas été en forme, mais stylée, ouais, je reconnais. Alors, il est temps de mettre les bobottes. Prenons un peu de hauteur. Encore des troubles faits. Ah, oh, putain. Hey, salut les gars. Oui. Je dis oui. Un million de fois oui. Par contre, la question c'est: est-ce que je vais avoir tout trouvé ici? Tout pris ici.
Ah, ils ont rebouché le trou. Quel dommage. J'espère que oui alors. Ouh. Ah. Hop là. On sent qu'on n'est pas en normal où ça pourrait tous les one-shot. Ah bon, tu veux un casque en plus? Ouh, c'est qui? Ah, grand-oncle Rob, le héros de guerre. On s'en tape. Robert Stark? Rob Stark? Fallait oser, hein. Je dois trouver le reste de l'armure. Wow. Ça aurait été cool de pouvoir péter la toiture. Pardon, mais... Ok, il devrait être par là. Non mais lol. Dans la baignoire. Tony, dans la baignoire, sérieux? Oh non. Ah, c'est génial. C'est pas génial. C'est comme ça que j'imaginais ma soirée. Moi non plus, mais écoute. On va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Heureusement qu'il n'y a pas de voisin. Il serait un peu contrarié sinon. Un tout petit peu. Pas d'armure, pas de problème. Vous qui aimez les entrées fracassantes, Stark. Vous me donnez combien? Je te donne 7 sur 10. Ça fait plaisir de te voir, George. T'as fait de la muscu? T'as volé d'autres sociétés milliardaires? Seulement la vôtre. Hé! Ah, c'est cette d'un monnaie, style! C'est d'une classe. Je m'attendais à avoir plus de miroirs. Je me suis débarrassé de tout ce qui m'apportait pas de la joie. Alors, un instant, j'ai encore un... J'ai aucune notification. Je vais le fermer définitivement, hop, on verra bien. Devine dans quelle catégorie tu es. Livrez-moi la fille, Stark. Ensuite, tu me ficheras le camp d'ici. Monsieur Stark. Je plaisante. Ne t'éloigne pas du gentil bonhomme vert. Hop là. La fille a besoin. Wouhou. À mon avis, elle s'en sort très bien. Les humains sont malades. Ils doivent être... Mais oui, ils sont malades, forcément. Oula. T'attends à ce que les gens avalent ça? Et bouffe. C'est que ça. Un bouffe. Oui, ces rayons-là. Ah, mais tu les as pas débloqués encore, les rayons laser, Tony. Ah, c'est stylé. C'est stylé. Jusqu'au bout du bout, c'est stylé. Comment contrôle-t-il ces machines? Je sais pas, il a reçu des pouvoirs après l'accident. Je l'ai vu contrôler une araignée robotique une fois. Oh, il peut faire bien mieux des araignées maintenant. C'est d'un style. Bien joué, petite. Kamala. Ah, le respect. Ça fait très bizarre de le voir sans armure, finalement. Hop les. Technokinésie. Ouais, c'est stylé. Typiquement le genre de zone où tu cacherais un coffre. Mais tu le dirais à personne. Bon. Est-ce que j'ai trouvé mieux ou est-ce qu'il équipe automatiquement mieux? Ça c'est mieux. Ah mais pour l'attaque à distance, non. Ah ah. Parfait. Clairement, c'est un niveau qui est designé pour Iron Man. Hein. On a un problème aérien. T'éloigne pas de Hulk. T'approche pas trop non plus. Non, je vais me débrouiller. Regardez. Attends, t'es pas prête pour...
Ou peut-être que si. Elle a grossi. Pour lui... Ah, ça c'est génial. Ça c'est génial, que ce soit contextualisé, c'est vraiment cool. Franchement, je m'étonne de vous voir réunis à nouveau, Banner et vous. Eh ben, mon cher Bruce et moi-même voyons quelqu'un pour régler nos soucis. Génial. Petit, extensible et très doué pour les mots de passe. Ah, j'adore. Ah putain. Il est très très cool. Toujours à mettre en danger les plus faibles. Vous n'avez... Je te pisse à l'arrêt cordialement. Faible. C'est pour ça que t'as envoyé une armée pour la capturer? Ouais, c'est assez flatteur en fait. Je crois que je commence à t'apprécier, petite. Allez, dégage. Merci. Deux secondes. Tu permets, Hulk. Ah là, merci. Attention. Beaucoup. Vous avez entendu le témoignage du docteur Banner, Stark. Les Avengers étaient dangereux. Ce n'est pas moi qui ai ordonné votre dissolution. Alors après, si je ne m'abuse, dans le même style, nous avons une autre armure à notre disposition. Ah, elle n'est pas encore disponible parce que je ne l'ai pas encore officiellement débloqué le personnage. J'imagine. Très bien. Aïe! Oh, ça m'apprend. Oula! Ça ne me demande aucun effort. Alors la gamine a raison. Tu contrôles des robots par la pensée? Bah alors? Ah! J'ai choisi mon camp il y a... Et il y a un Hulk devant toi! Et tu m'as forcé la main. Donnez-moi la fille. Et ensuite, oh le pauvre! Je crois pas, non? C'est exactement ce que j'allais dire. Hop là! Un petit coup d'une rayon! Si c'est pas suffisant, un petit deuxième. Ah, dommage. Ah non! Le divin loot! Le divin loot! Eh merde! Vous devriez écouter la logique et la raison. C'est un peu tard. Oh! Attends! Vous avez arrêté là-dedans! Aïe! Bon, c'était pas mal à la tête. Comment avec ça? Sens-tu? Au mieux de ma forme. Vos synthétiques n'ont servi à rien. Si vous m'aviez laissé m'occuper de Hulk et de Khan, les archives seraient toujours là. Un peu de respect. Ce n'est plus vous qui commandez, c'est lui. Oh. Quand j'étais jeune, j'ai trouvé un louveteau orphelin dans la forêt, près de notre ferme. Quoi? Mon père disait que c'était trop dangereux. Il m'a dit de m'en débarrasser. J'ai nourri ce louveteau. Je lui ai donné un nom. Je le regardais jouer avec mon chien adoré, Darwin. Vous me faites perdre mon temps. Et il a bouffé le chien. Je pensais qu'en instaurant des règles, des limites précises, je pourrais maîtriser la puissance de la bête. Vous avez fini de bavasser. Presque. Oh. Quelques mois plus tard, à la chasse, le louveteau qui avait grandi s'est retourné contre moi. Il grognait, la bave à la gueule. Darwin s'est battu et m'a donné du temps pour rappeler de l'aigle. Stop! Mon père a tué le loup, mais il était trop tard. Darwin avait été réduit en morceaux. George, on a besoin de lui. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. S'il vous plaît. Oh, la traduction est complètement différente du texte... sous-titré. Autant il s'excuse dans le vocal, autant il est agressif dans le textuel. Jarvis, tu n'as pas pris une ride. Ravi de vous revoir, monsieur Stark. Tu m'as manqué aussi. Ça roule comme tu veux. Je suis en parfait état de marche. Bon, fais-moi un débrief. Le chimère fonctionne grâce à l'alimentation secondaire. Je détecte des dégâts critiques sur la coque. Les moteurs sont désactivés. Le climat... Ok, donc ça va mal. Cette affirmation est exacte. Bon, il va falloir faire décoller Stade Ferraille. Pardon ? L'AIM sait qu'il est ici. Donc on doit le déplacer. Avant qu'ils arrivent. Quoi ? Bon, pendant qu'on fait un peu de ménage, tu pourrais t'occuper de quelque chose pour moi ? Bien sûr, monsieur. Peux-tu essayer de décrypter ce fichier ?
tout de suite. Si j'avais su que Jarvis avait un port USB. Nouveau héros disponible, magnifique image. On va y voir pourquoi les turbines ne s'activent pas. Et donc on joue à Iron Man. On va contrôler les noyaux déclencheurs dans le hangar. Un instant. Une petite vérification. Comme d'habitude, je suis désolé d'être chiant. Encore plein d'espace, tant mieux. Hop là. Ok. Continuons. Défi relevé. Allez au hangar principal pour évacuer les noyaux déclencheurs. Alors moi d'abord je vais aller dans ma chambre. Désolé. Ah! Kaka kaka mala! Est-ce que j'ai vraiment envie de savoir ce que t'es en train de faire? Salut Tony! J'aide juste Bruce avec mes. Connaissances techniques. J'ai plus qu'à me rouler les pouces alors. Très drôle, Tony. Alors, je suis curieux d'aller voir un petit truc. Est-ce que j'ai Monsieur, par exemple. Au cas où vous vous poseriez la question, votre ancienne chambre est intacte. Accès à ma chambre. Voilà! Parabap, 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 parabam, bam, parabam, 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 parabam. Quel bordel ici ! Tout est dans l'état où vous l'avez laissé. Tu sais, quand je vivais au ranch, il m'a fallu des années pour arrêter de te demander des trucs à voix haute. Jarvis, mets en route la cafetière. Jarvis, vidange les canalisations. Jarvis, où sont mes chaussettes ? Je suis heureux de voir que vous avez survécu sans moi. Il est complètement con. Monsieur. Ah, je suis content d'être venu. Ok, les Iron Shot. Elle est stylée aussi, hein. Bon, c'est différent, mais... Waouh. Il y en a des superbes. Celles qui vont m'intéresser le plus sont sans doute celles qui seront les plus différentes. Par exemple, celle-là, elle est trop gold. Beaucoup trop gold. Les plus différentes, de l'original. Celle-là est stylée. En tout cas, de celles employées... en tant qu'original. C'est très War Machine celle-là. Oh. Oh bah celle-là est très jolie par exemple. Elle n'était pas disponible dans la... Ouais c'est cette version-là qui était disponible dans la bêta. Donc elles ont chacun une image différente. Celle-là j'imagine que c'est la... Ouais, l'emblématique. Bon, il y en a qui sont pas ouf. Un peu dommage, presque. Le petit marche. Le fait qu'il marche juste après, c'est stylé. Ok, allez, on perd pas plus de temps. Ah, je vais avoir la musique dans la tête, je suis désolé. Est-ce qu'il y a une interaction spéciale, peut-être ? Dans la Pio, la Kamala. Ah, ça a été nettoyé. Stylé. Il n'y a plus le petit PC qui fait la musique. Ah. Ah, donc il a des interactions différentes. Ah, la vieille intendance. Suite à l'avertissement d'urgence rendu à l'AIM aujourd'hui, je peux confirmer que l'on a On a encore un fan, c'est déjà ça. Ok, allons-y. Ça fonctionnait ça avant, non ? Bah ouais, la porte est s'ouvrait avant. Chronomètre-moi. Non, il y a un mini-jeu ? Ah non. 04, monsieur. Pas laisse. Je dois être un peu rouillé. Un coffre. Jarvis, une petite question. Où est-ce qu'on met les bougies d'allumage ? Les noyaux déclencheurs sont au fond du pont inférieur, monsieur. C'est la bonne réponse. Aucun atout disponible. Ah bah bravo. Ai-je droit à un prix, monsieur ? Ah ! Le meilleur prix au monde. Mon affection. Je suis... comblé. Génial. C'est génial. Ah, ils l'ont vraiment rendu cool. Alors, il n'était pas prévu comme étant un de mes mains, principalement parce que... en tout cas, le personnage que j'utiliserais principalement en endgame multi, on va dire, plutôt que de dire un simple main... celui qui est prévu comme à cette place est Thor, que j'ai vraiment hâte de jouer. Maintenant, je dois admettre que
Il est cool. Il est très très cool à jouer. Véritablement très 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 cool. Je vois vraiment, mais pour le coup je l'admets, j'avais vraiment peur que ce soit une pâle copie et il est fun, très très fun. Ah si c'est bon, il me le propose maintenant, hop. Là c'est que ça permet un certain rattrapage. Alors je visite hein. M'en voulez pas. Mais je m'attends à ce qu'il y ait 2-3 petites choses cachées à droite à gauche. Donc je visite. Je ne lambine pas. Rien que pour le plaisir. Je cherche véritablement des choses. J'ai l'impression que le jeu va donner une possibilité de rattraper un petit peu la puissance manquante au personnage de son arrivée. Et je ne vais pas m'en priver. Surtout qu'en jouant à une difficulté légèrement supérieure, on peut avoir accès à des coffres peut-être un peu plus intéressants. C'est une réflexion bleue étrange. Je pense que ce sera un objet à refaser. C'est-à-dire un objet qui sera présent dans un autre moment de ce... de comment... une autre phase à un autre moment du comment de l'histoire, mais qui est présent sur ce niveau. Ok. 6, 8, 7. Ok. Et... c'est très bien. Pas la peine. Next. Oh super, ça m'a l'air parfaitement aux normes de sécurité. Dans la bêta, il y avait un truc marqué au-dessus de ça, je crois. Je crois que j'ai trouvé le problème. Bah oui, il reste plus qu'une pile. Elle est endommagée et il nous en faudrait 4. Si je pouvais juste... Oh ! C'est les noyaux déclencheurs, pas de doute. Hey, les grosses machines de la IAM utilisent les mêmes noyaux, non ? Si on pouvait mettre la main dessus, je pourrais refaire voler ce tas de ferraille. Ce qui serait plus qu'appréciable. Mais quelqu'un doit récupérer ces fameux noyaux déclencheurs. Et mon armure est dans un sale état. Je pourrais peut-être essayer de bricoler quelque chose. Je vais chercher dans l'inventaire. Il reste sans doute des pièces de rechange pour l'armure. Non. Merci. Tu m'as donné un suit-up. Salut Tommy, je suis toujours sur la porte. Ça t'ennuie d'aller vérifier que Kamala va bien? Je crois qu'elle a éteint son système de communication. Ok, d'accord. Elle fait des bêtises? Ouais, avec tout ce qui s'est passé, elle doit avoir du mal à s'y faire. Compris. Je croyais qu'elle faisait des bêtises. Et que c'était cool si elle faisait des bêtises et qu'on... Au deuxième niveau des anciens quartiers de l'équipage, c'est ça? Jarvis, tu peux voir si elle est bien là? Monsieur, il n'existe aucun système de surveillance dans les quartiers privés. Mais qui a eu cette idée laxiste et stupide? Vous, monsieur. Ah... En même temps, vu ce qu'il doit ramener dans les quartiers privés... Ah wow. Hey. Vous pourriez frapper. J'ai essayé, mais ça s'est ouvert tout seul. Jarvis, tu peux m'aider? Il semblerait que les mécanismes de verrouillage de certains quartiers du Chimère n'aient pas été activés. C'est donc ça. Je m'en occupe. Ouais, s'il vous plaît. On sera sur le pont de commandement dans 10 minutes. Tu devrais venir. Je sais, j'ai l'air ridicule. Non, ça va en vrai. Ouais. C'est pas peu dire. Hey. Non, on l'est tous. Ça va avec le job. T'as vu la tenue de Thor? La belle cape? Les grosses épaulettes? Vraiment ridicule. Mais j'aime beaucoup ce... Oh, c'est un burkini. Ma mère me l'a acheté. Les musulmanes aiment le porter pour faire du sport et... C'est cool. Ouais, je vais me changer. Attends. La tenue, c'est une question d'attitude. Tu dois la porter avec fierté. Assume-la, petit. Allez, tu peux faire mieux que ça. Ouais, là c'est... Ah ! Très bien. Tu sais quoi, je peux peut-être t'aider avec des petites améliorations. J'ai déjà des idées. Vraiment ? Oh, si bon, je te dis quoi que ce soit, rappelle-lui que tout ce qu'il a, lui, c'est un short beaucoup trop serré. Bon, la petite va bien. Il est sympa. Bon, elle me plaît bien. Et cerise sur le gâteau, elle rit à mes blagues. Ouais, elle est attachante. Dis, tu passes sous la beau technologique? J'ai presque fini de réparer la porte. Si tu veux, Pantacourt. Quoi? Non, rien. J'arrive. Ce foutage de gueule. Ah, c'est en dessous. Très bien. C'est ultra cool.
Alors, je sais que ça va devenir un des hubs principaux du jeu, qui va s'améliorer au fur et à mesure du temps, donc in-game, et aussi des améliorations, des mises à jour du jeu. Mais cette porte, hein, il est vraiment cool. Juste retirer la boîte de jonction et rebrancher le... Ah, bien joué, mon pote. Je suis pas sûr. C'est bon de rentrer à la maison. Cet endroit commence à retrouver un peu de sa superbe, non? Tu vas à la pêche aux compliments? Ben non, oui. Non. C'était juste une observation. Ah, d'accord, c'est ici donc que je vais pouvoir peut-être trouver quelques équipements supplémentaires. Fabriquer une potentielle armure. Logique, logique. J'ai d'avoir la musique dans la tête pendant toutes les vidéos. Pardon ? Ah. Toutes les vidéos possibles. Oh, il y a un morceau d'armure là-bas. Je visite avant. Tiens, tiens, voilà du boudin. Nice. 8. Pour ça de près. Ah. Pourquoi il y a un scotch dessus ? Non. Je suis pas encore prêt pour ce projet. What ? Ah bah... C'est quoi ce projet? Je vais pas te dire que je suis pas intéressé, mais ça a l'air balèze pour que Tony Stark aka Iron Man. Ok, et donc? Ah, c'était ici depuis le début. Cool. Si on veut se déplacer, il faut trouver une source d'énergie alternative. Le chimère a été conçu pour fonctionner au térigène. Mais je peux le bricoler pour qu'il utilise quelque chose de moins explosif. Je scanne la zone pour voir si je trouve quelque chose, mais ça risque de prendre pas mal de temps pour identifier la signature thermique d'un potentiel noyau déclencheur. En attendant, j'ai besoin d'une nouvelle armure. Où je peux trouver des pièces de rechange pour réparer l'unité de fabrication? J'ai repéré un endroit parfait pour récupérer des pièces. J'ai transféré ces coordonnées sur le terminal de mission. Nice! Le terminal de mission, d'accord. Réparer l'unité de fabrication, récupérer une armure toute neuve, et enfin, faire voler ce bidule. Nice! Prototype d'armure. Ah, il est assez moche. À la limite, entre ça, ça, et ça, j'ai préféré celle-là. Mais, j'ai un petit faible pour celle-ci. Mais, d'ailleurs, je suis curieux de voir le niveau des pièces. C'est pas... C'est pas tout à fait les mêmes pièces. C'est-à-dire, elles se ressemblent. On dirait une version véritablement améliorée de des premières pièces de base que j'avais. Donc c'est assez cool. Celle-là est un peu plus bulky, en fait. On peut le voir au niveau des pièces. Mais bon, ce sera celle-là qu'on utilisera pour le moment. Vous avez continué de mettre des pièces partout. Hein. Donc le Science Lab est à visiter. Clairement. J'ai pas vu si j'avais un nouvel équipement. Ouais. Toujours ça de prix. Mais il est grandement possible que la version de lui avec quelques morceaux à peine d'armure soit la skin que j'utiliserai le plus. Vu que j'apprécie beaucoup le principe. Ça c'est la table de mission, le bouclier de cap, qu'est-ce qu'il va dire? J'arrive pas à croire qu'il t'ait retrouvé. Il m'a manqué, mon pote. Je ne suis pas un fan de Marvel. C'est faux. Salut, toi. Pas mieux? Tu veux pas que je te parle? Ouvrons le coffre et retournons voir si... Alors, je crois qu'elle est buggée. Elle ne veut pas qu'on lui parle. C'est-à-dire que le menu est présent, mais pas le... L'icône est présente, mais pas le menu, justement. Oh. Fury nous engueule souvent d'ici. Il manque un peu. Oh, monsieur Mignon. T'es trop gnant. Mais c'est l'heure de la castagne.
On regarde quand même les quelques missions que l'on a. En difficulté 4, j'ai... Ah non, elle est en défi 2, d'accord. C'est parti. Guerre technologique. Allons nous amuser un peu. Il y a un décalage son quand même, hein. Assez important sur le jeu, je trouve. Bon, première étape. Il n'y a pas moyen que je puisse aider à réparer le chimère sans améliorer mon armure. Jarvis, t'as quoi pour moi ? L'AIM dispose d'un vaisseau expérimental dont les pièces pourraient être utilisées pour réparer les machines de fabrication. Malheureusement, il est très bien gardé. J'ai lu le rapport, mais les défenses locales de l'AIM sont conçues pour repousser un assaut aérien de grande envergure. Si j'y vais seul en me cachant dans le canyon, je pourrais peut-être y accéder et détourner le vaisseau. C'est risqué, mais je ne vois pas de meilleure alternative pour faire décoller le chimère et améliorer vos armures. Je charge la dernière position connue du vaisseau sur votre ATH. Les parois du canyon m'empêchent d'obtenir des renseignements plus précis. Je vous conseille d'opérer rapidement. On peut pas dire que je dispose d'une armure de premier choix, mais elle devrait suffire à m'amener là-bas en un seul morceau. Ou deux, au max. Je mets à jour votre ATH. Le vaisseau devrait être devant, à l'air d'atterrissage. Il faut faire vite, l'AIM est au courant de votre intrusion. Alors, l'AIM semble être au courant de votre intrusion. Et si on appelait ça une visite surprise ? Elle a l'air trop bulky pour la skin. C'est noté, monsieur. Alors, essayons plutôt, du coup, l'armure. Ce sera donc une acquisition. Ouais, il y a les mêmes problèmes de clip au niveau des... Je voulais voir justement. Au niveau des bras. Et donc ça, il n'y a strictement rien ici, d'accord. Il est intéressant de noter que de nombreux systèmes de l'AIM ressemblent beaucoup à vos propres inventions. George n'a jamais été très original. Mais ça les rend compatibles, ce qui peut s'avérer pratique. J'aimerais essayer. L'horloge métaphorique tourne, monsieur. Je sais, l'ami. Il faut qu'on fasse décoller le chimère avant que l'AIM le trouve. Et il me faut une vraie armure. Y'en a un qui est en train de me dire de me manier. Du coup, si celle-là, je la trouve un peu moins stylée que l'autre, je préfère encore mettre celle-ci. J'aurais pas besoin de chercher des pièces si Bruce m'avait soutenu il y a 5 ans. De l'eau a coulé sous les ponts, monsieur. Une eau croupie sous un pont branlant. Denis Stark, il a jamais tort. Je vérifie quand même, hein, sait-on jamais. Un petit coffre caché ici et là. Minute. Quoi ? De quelle puissance de feu dispose l'AIM là-bas ? Je dirais qu'elle est conséquente. Et quelle est la proportion d'armes construites à partir de ce qu'ils ont volé à Stark Industries après le Heyday ? Impossible à dire à ce stade. Probablement conséquente. J'ai un mauvais karma. Ouh ! L'armure tient très bien. Si on peut appeler ça une armure. Très marrant. Aïe ! Oh la vache, j'avais pas vu qu'il y avait un timer. J'avais pas pigé du tout qu'il y avait un timer, moi. En plus, pour être tout à fait honnête avec vous, ma caméra tient sur le... Je vais pas trop m'approcher. Tient sur l'écran, en fait. Et du coup, une partie du pied de la caméra cache... Il faut faire vite. L'AIM est au courant de votre intrusion. Oui, mais t'inquiète pas, je vais aller très très vite là pour le coup. L'AIM semble être au courant de votre intrusion. Et si on appelait ça une visite surprise ? Intrusion, ça donne l'impression qu'on est les méchants. C'est noté, monsieur. Je confirme. Ce sera donc une acquisition. Wouh ! J'ai déjà mis de life, hein.
vache, c'est tendu. Il est intéressant de noter que de nombreux systèmes de l'AIM ressemblent beaucoup à vos propres inventions. Charles, l'armure tient très bien. Si on peut appeler ça une armure. Pas marrant. Qu'est-ce qui m'a pris de demander une IA sarcastique? Aïe! Putain, c'est tendu! Oh! J'ai même pas eu le petit. C'est que ça? Ok. Cet ascenseur mène à l'aire d'atterrissage. Campé, regarde-moi ça. À quel pays l'AIM a décidé de déclarer la guerre? Ces munitions semblent également similaires à vos modèles. Ça donne envie de les faire exploser. Oh, bien joué. Je manque de puissance. Ce qui implique donc la nécessité de me dépêcher pour ne pas être dans le... Ah, pourtant je vous jure que j'ai esquivé celui-là, mais il est pas à temps. Oh la vache! Non, c'est pas le moment! Hop là, santé! Mais pas des pieds. Ok. Aïe! Ok. Niveau 3, ce qui veut dire que j'avais déjà obtenu un niveau 2 et que j'ai pas mis le point. Le petit bruit est très satisfaisant. Accéder à l'ascenseur. Wouh! Eh ben c'est pas simple. C'est pas simple, c'est pas simple. Ok. Compétence. 2 points à mettre. Et il va sans doute être très pratique. Il a un combo qui doit être très 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 pratique. Et ensuite. Ah, il monte pas plus haut que ça. La sensibilité de la visée, j'ai peut-être la baisser un tout petit peu. Parce que... non, c'est la sensibilité de vol, je crois, ouais. Je vais la mettre à 3, comme le reste. Presque. Vérifie, sait-on jamais, hein, pourrait y avoir un petit secret, un petit coffre. Jusque là, dans cette mission, ils sont un peu plus radins. Oh. Oh. Dis-moi que vous n'êtes... Ah, c'est la même... Ah. Là, c'est moins drôle. C'est la même... Quand on est arrivé, c'est la même... La même disposition, on va dire. Bon, ce n'est pas grave. Hop là. Alors... D'accord. Tant que je m'y fasse aux touches, hein. La suite. Elle a le mérite d'être complètement différente, cette armure, en tout cas. Ça fait plaisir. Récupérons ces circuits réfrigérés et mettons les voiles avant que la hyène sorte l'artillerie lourde. Littéralement. Je suis tout à fait d'accord, monsieur. On peut affirmer sans prendre trop de risques que Madame Rapaccini serait satisfaite de danser sur votre tombe. Merci, Jarvis. Maintenant, j'ai l'image de Monica qui fait le robot sur ma pierre tombale. Mes excuses, monsieur. Si je ne me trompe pas, le vaisseau devrait être juste là, un peu plus loin. Ah, cet endroit a l'air sympa. Oui ! Je trouve cette quantité d'armement quelque peu dérangeante.
Pardon, il suffit de pas grand chose, hein, mais. Ça, c'était génial. Ce maudit vaisseau. Analyse en cours. Oh, le vaisseau a été déplacé vers un emplacement plus sécurisé un peu plus loin. On ne pourra pas l'atteindre avant son décollage. On peut si on surcharge l'armure à 300% et qu'on prend le chemin le plus direct. Je me suis cramé les jambes là. Vous pourriez vraiment exploser. Et ce canyon est bien trop dangereux. Ouais, mais j'ai envie d'une petite pointe de vitesse. Allez, vas-y, et mets-moi un morceau qui bouge un peu. Non ! Bon bah très bien. Ok, si tu veux. Votre armure ne tiendra pas éternellement. Cette armure est la dernière chose qui me reste depuis que Georges a détruit tout Acre Doré. Je la perdrai pas. C'est énorme. Les gants font un drôle de bruit. Ce n'est pas si étonnant. C'est énorme. L'atténuation sonore. Continuez, monsieur. Travis, c'est ma chance de me rattraper pour le Heyday. Aider la petite et cerise sur le gâteau, d'en coller une à genre. Tu penses bien que je vais continuer? Le vaisseau gagne en puissance. Attention, leur artillerie vous prend pour cible. Non, c'est vrai? Attention. On occupe. Wouh. Pris masse dégâts là. Le vaisseau active. Je sais l'esquiver comment ça? C'est énorme! Ils ont fait un super travail sur la version solo! C'est oufissime! Bon, c'était pour entendre la musique, hein, soyons honnêtes. Hein. Votre armure ne tiendra pas éternellement. Ouais, c'est Cette ça! Votre armure est la dernière chose qui me reste depuis que Georges a détruit tout Acre Doré! Je la perdrai pas! Hop là. Les gants font un drôle de bruit. Ce n'est pas si étonnant. Vous venez de perdre un circuit d'atténuation sonore. Hop là. Ah bon? Tous les systèmes sont dans le rouge. Comme tu dis. Continuez, monsieur. Travis, c'est ma chance de me rattraper pour le Heyday. Aider la petite et cerise sur le gâteau. T'en coller une à Georges. Tu penses bien que je vais continuer? Bon, en tout cas, je vais pas m'arrêter. C'est vraiment cool comme mission. Attention, leur artillerie vous prend pour cible. En fait, y'a même pas besoin d'esquiver, j'ai l'impression. On occupe. Wouhou. Le vaisseau. C'est excellent. Wouhou. Utilise toute l'énergie restante de l'armure pour provoquer une IEM quand je serai à portée. Oh, putain, j'ai cru que le jeu avait lâché. Mais non. Ça a marché. J'essaie d'identifier un petit peu les moments où il y a des lags. Oui, monsieur. J'ai scanné le vaisseau et il contient les pièces nécessaires pour réparer la machine de fabrication du Chimère. Excellent. Allons voir comment se débrouillent les autres et rentrons. Ouh. Alors normalement, on a gagné du super équipement qui est loin en termes de puissance par rapport à ce qu'on utilise. Bruce, Kamala, vous me recevez? 5 sur 5. Bruce est dans la salle... Pardon. C'est pas prévu comme ça. Et ça. Ça, c'était vraiment cool. Et ça, clairement, c'est beaucoup trop emblématique pour ne pas l'utiliser. Le violet qu'elle voit là, niveau 16 de puissance. Et là, niveau 11. Nice. On a bien de quoi augmenter violemment notre niveau de puissance. Ah, on est en train de faire semblant de... Préfère pas le savoir. Bon, est-ce que tout se passe bien? Tout roule. Préparez-vous pour vos nouvelles tenues. La machine de fabrication sera bientôt réparée. Nice. Super. Bruce avait vraiment besoin d'un nouveau pantalon de yoga. Ok, ben continuons alors. Et en fait... C'est assez ouf, il y a une vraie campagne. Ah, par contre, là, l'animation est équipée au niveau du menton, c'est peut-être un petit peu dommage. Et une vraie campagne solo. Ça fait plaisir. Hein. C'était sympa. Je dois dire que ça fait du bien de se remettre en selle. Oui, monsieur. Vous avez été prodigieux. Oh. Content de voir que le module de flatterie fonctionne.
Bon, voyons un peu ce butin. Texture, texture, ah, texture. On a touché le jackpot, Lee. C'est merci. C'est exactement ce dont j'avais besoin pour réparer la machine de fabrication. Heureux de l'entendre. D'autant plus que votre armure actuelle est, selon vos propres mots, capoute. Hé, hey, ça a marché, non? Ah, j'ai cassé mon armure. Je savais bien que ces technologies me disaient quelque chose. Elles sont toutes inspirées de mes inventions. Certaines sont des copies conformes. Ils se gênent pas pour exploiter au maximum leur acquisition de Stark Industries. J'avais espéré qu'ils garderaient ça sous le coude sans y toucher. Oui, il n'y a pas de problème, il y a des problèmes de synchro labial dans le jeu. Donc j'ai débloqué un objet cosmétique verrouillé. Pas compris, mais si tu le dis. Oh, elle est belle celle-là. J'aime bien celle-là. Je sais pas ce que j'ai débloqué en fait. Modèle, collection. Ça c'est pour les différents. Je sais pas. Machine de fabrication. Ah ! J'ai un plan ! Ce qu'ils appellent un modèle est... C'est nouveau ça. Bonjour ! Bonjour la boutique de cosmétiques apparemment. Ouh. Ok. Oh. Les modèles peuvent être décodés par la machine de fabrication à bord de l'héliporteur. D'accord, c'est des espèces de loot box. C'est ça. Ok, pourquoi pas. C'est les engrammes en fait. Ok. Bon bah... Alors j'imagine que c'était scripté hein, mais voilà. Très bien, je préfère ça. J'ai trop la classe. Prends une photo, Jarvis. Bravo monsieur. Ah, oh, il n'y a pas eu le petit clang. What? Je me moque de moi. Il a un contre. Ok. Ça, c'est, vous savez, c'est censé que c'est verrouillé par la campagne. L'une des trois options. Unirayon. Oh putain. Onde perturbante. Ouais. Barrage de magnomissile. J'aime bien parce que pour le coup il te la montre pas en te disant en mode Waouh. Hyper bobine, et la mer sur porteur de réacteur permet d'arriver de répéter pendant 5 secondes supplémentaires, d'accord. Provoquer les énergies qui étaient à l'attention, d'accord, il peut tanker. Oh mon dieu. Ouh. Oh. 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 Donc les petits trucs avec les indices, là ce sont des choix à faire dans l'arbre. Oh lolo lolo. Mon dieu. Je vais prendre mon pied moi là-dedans. Ok. Très bien. Attends, c'est une skin avec le casque relevé ou quoi? Non. Il a le casque relevé sur toutes. Sur celle-là. Celle-là il avait le casque relevé, d'accord, ok. C'est assez cool. C'est assez cool. On va mettre l'armure emblématique pour le coup, c'est... Ça me semble nécessaire. Nice. Et la tenue emblématique d'Iron Man, ça c'est... moi-même. En plus de... Pardon, un instant. Bon bah c'est pas mieux. La machine de fabrication, j'ai réussi à rediriger l'énergie vers plusieurs autres zones, comme la réserve. Nice.
Ouh ! Je détecte de vieux équipements dans votre casier, monsieur. Dois-je les incinérer ? Quoi ? Non ! Ce sont pas des ordures, Jarvis. Ce sont mes affaires. Oh, mais dis-moi. Il fallait jeter un œil. Y a un vrai moyen de tout nettoyer dans le... Oh, ouais. D'automatiquement dire, par exemple, tout ce qui est blanc, ça va en... Casier de l'inventaire. Ah. 300 objets, d'accord, non, c'est juste un coffre. Tu vois, y a rien acheté. En effet, je suis sûr que vous allez y entreposer bien d'autres trésors. Monsieur, des représentants de nos amis du Shield sont maintenant à bord du Chimère. Pardon ? L'agent Morales est au poste de commande. Elle pourra sans doute vous aider pour les pièces dont vous avez besoin pour réparer le Chimère. Génial, j'ai hâte de la rencontrer. Morales ! Morales ! Il y a aussi Miles Morales. Bonjour, Avenger. J'ai une mission. Bonjour. On m'a dit que le Shield était ici. Je suis l'agent Alisande Morales. Je serai votre contact au sein du Shield. Si vous avez du temps libre, n'hésitez pas à venir me voir. Il y a beaucoup à faire. Enchanté, agent Morales. Je dois trouver des composants pour faire décoller ce tas de ferraille. Je peux peut-être faire d'une pierre deux coups et en profiter pour donner un coup de main à mes vieux amis du Shield. Voici les infos dont nous disposons. J'espère que ça suffira. Ouvrez des coffres de n'importe quel type, réduisez... D'accord, donc ça, ce sont des missions. Je savais qu'on pouvait compter sur vous. Super. Oh, j'ai une heure pour les terminer. C'est violent. Tant pis. Beau travail. Continuez comme ça, et je pourrais peut-être Monsieur, recommencer à... Monsieur, un nouveau représentant du Shield nous a rejoint et attend dans la zone commune. La zone commune. Chastity McBride. Très bien. Allons voir. Alors je disais justement que c'était un lieu qui allait devenir un hub. D'accord. Hello Avenger, venez rencontrer le nouveau vous. Ah, compte des ressources que je gagne. Ah mais c'est complètement différent. D'accord, dans une heure j'en aurais plus accès à ceux-là alors que ce sont ceux qui me plaisaient le plus. Alors par contre il n'y a pas... Et là où c'est, là c'est dommage, il n'y a pas de, d'aperçu. Ah, je suis obligé d'en acheter un ? Non. Je suis obligé d'en acheter un. C'est nul. Un peu nul. Allons-y. Elle est sublime celle-là, non ? Je vous la conseille. Très bien. Au revoir. L'agent Levin se trouve sur... Mais c'est cool, il y a donc il y a une light money, on appelle ça. Il peut vous aider à améliorer votre équipement. L'agent Levin. Où est-il ? Au hangar, d'accord. Allons voir. Niveau inférieur. Alors pour l'instant, ça fait peut-être un petit peu très grand. C'est la seule chose que je pourrais reprocher véritablement si j'avais quelque chose à reprocher. Maintenant, ça reste un héliporteur. Donc, je m'attendais pas à plus petit non plus. Oh, par ici ! Mon rêve devient réalité ! Prenez tout votre temps ! Progression requise. Et puis légendaire ! Ok. Oh, du légendaire de bas niveau, mais du légendaire. Ok, cool. Et rang 1 donc. Alors par contre apparemment, c'est une vendeuse. Rien cette fois ? Pas de soucis. Monsieur, le scan... Il fait ce qu'il veut, hein. ...a détecté deux sources potentielles de noyaux déclencheurs. Comment ça, potentiel ? Malheureusement, à cause des systèmes de sécurité de l'AIM, il m'est impossible de déterminer avec exactitude la source des signatures thermiques à cette distance. Ah, j'aime pas quand tu dis impossible. Bon. On va mettre toutes les chances de notre côté. Bruce, Kamala, retrouvez-moi au terminal de mission. On arrive. Nice, on va partir à 3. C'est très très cool. Et ils sont là. Ah, c'est génial. C'est vraiment cool.
Gérer la difficulté. Mais t'inquiète. Ok les gars, on a du pain sur la planche. Sympa le costume. C'est tout le problème. Comment on peut t'aider ? Jarvis nous a dégoté deux signatures thermiques qui pourraient être celles de noyaux déclencheurs, mais dans des zones opposées. Vu qu'on manque de temps, nous devons inspecter les deux zones simultanément. Bruce, Kamala et toi, vous devez fouiller les environs des Badlands. Moi, je vais inspecter une ville du littoral est. Avec un peu de chance, une des deux zones contient les noyaux déclencheurs. Ça marche. Il avait pas le costume, mais elle a dit sympa le costume. Bon, c'est un détail, hein, mais... C'est encore loin ? Vous approchez de la zone, monsieur. Super. On doit retrouver ces noyaux déclencheurs et se remettre au travail. Le temps nous est compté. La IEM ne va pas tarder à trouver l'emplacement du chimère. Et on a vraiment besoin que notre base fonctionne. Ah, la vache, elle me va bien, cette armure. Vous êtes superbe, monsieur. Tu l'as dit, Bouffy. Oh. Oh là. Pourquoi il y a personne ? Il semblerait que l'AIM ait fait évacuer des avions, ça ? À cause d'une importante activité d'inhumains. C'est surtout une excuse pour tester des technologies dangereuses. Peut-être que t'avais raison avec ton histoire de signature thermique. Leurs expériences pourraient bien utiliser des tonnes de noyaux déclencheurs. Le complexe est très bien gardé. Attendez-vous à un comité d'accueil. Tu veux dire qu'ils ne sont pas capables de me voir ? Oh, il n'y a pas un chat dans le coin. Jarvis, oh, il y a quelques missions à faire. Avancez encore de quelques mètres, monsieur. Un allié du Shield est en difficulté dans les environs et a besoin d'aide. Ok. Eh bien, il y en a d'autres ? Eh ben non ! Couché. Alors le contraste, là la lumière est très... chelou. Bah alors ? Bon bah... Qui ose ? Allez dégage ! Toc toc ! Non mais t'es pas mort ! Voilà. Bonjour vous. Merci pour tout, Avengers. J'en prie. Bonne marche. Normalement il est censé se faire téléporter dans le dans la bêta. Et mais... dans les environs, des civils ? L'évacuation a commencé ce matin. Bien. Qu'il n'y ait pas de blessés cette fois. Bon bon bah. Des plateformes de reconnaissance qui flottent. La IEM en a pas marre de tout me piquer. Il y a un coffre d'équipement à proximité. Salut. Allez, dégage. Oh, pas de chance. Tiens, bouffe. Ah d'accord, je ne surcharge plus rien. Wow. Fermé. J'ai pas le droit de me poser en fait, hein. Faut que je fasse très très attention.
À aucun moment je dois imaginer que le jeu est facile. Surtout ça en fait, le vrai hic. C'est intéressant. Le jeu n'est vraiment pas simple, en tout cas en difficulté difficile. À aucun moment je dois me reposer. Un chat dans le coin. Jarvis, le complexe est encore loin. Avancez encore de quelques mètres, monsieur. Des plateformes de reconnaissance qui flottent. L'IM en a pas marre de tout me piquer. Allez, dégagez. Cherchez un coffre d'équipement à proximité. La cour d'énergie. Oh, bien joué, je l'ai pas vu. Oh, deux d'affilée. J'en doutais que le missile ferait un demi-tour incomplet pour venir me chercher. Ok. Essayons autre chose. Même problème que dans la bêta. C'est dommage, hein. Allez, bouffe. C'est déjà fini, hein. Ouh, le framerate. Pochette surprise, 3 points de défi, nice. Tirer à la tête, objectif globaux. J'en ai fait que 2. Alors qu'on change ça. Je détecte une unité spéciale hostile près de votre position. Vous pourrez peut-être récupérer des ressources utiles après l'avoir vaincu. Oh, joli. J'avais pas vu du tout, lui. Oh, je dis jamais non, hein. J'ai du meilleur équipement. Clairement, on n'hésite pas. Un troisième tir à la tête, ça fait seulement 3, je suis assez vexé. Heureusement que je suis censé avoir des copains avec moi. Je doutais que je serais trop près. Non. Allez. Allez!
par ici. Ok, celui-là on l'a eu. Très bien. Seulement du vert, c'est décevant. Poubelle. Visez la tête, Marcus. Pas vraiment la tête. On a encore au moins deux objectifs dans le coin. Essayons de... J'ai débloqué un point de compétence. Et apparemment des points de spécialité. Ah. Des points en rapport avec le... D'accord. Ah. Maîtrise, c'est encore pire. Ouais, ok. Très bien. Je pense que je vais prendre les roquettes. Pour pouvoir profiter un maximum... Non, les lasers, pardon, pour pouvoir profiter un maximum de la recharge de la barre qui permet donc de stagger un ennemi et donc de le mettre en position de finish. On va dire ça comme ça. Cherchez un coffre contenant des ressources spéciales à proximité. Je l'ai même pas vu. Dommage. Fouah, ce qui m'a mis. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Oh là là. Va falloir une grosse séance d'entraînement hein, pour pouvoir pallier à toutes ces choses. Pas avec mes lasers, ouais. La faute. Ok, de deux. Ok, bon bah je suis encore mourant. C'est tendu. Dans les environs, des civils ? L'évacuation a commencé ce matin. Bien. Qu'il n'y ait pas de blessés cette fois. C'est fait. Ce qui compte, c'est la réussite. C'est tendu, hein. Je reconnais quand même que c'est tendu. C'est fun, mais c'est tendu. C'est vrai que si j'améliorais pas tout. Pas que le bleu, c'est une amélioration. C'est triste d'avoir encore du blanc en puissance 14, je crois que j'en avais déjà plus moi. Les lumières s'il vous plaît. De l'autre côté du bâtiment, il y a un event. Tarleton parlait toujours d'énergie propre, mais je parie que Monica est impliquée là-dedans. C'est elle qui a redistribué les ressources de l'entreprise au sein de l'AIM. Tiens, c'est étonnant. La copine de Banner, étonnant, effectivement. Ça fait très 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 traquenard.
Personne? Ok. Je dis pas non. Plusieurs ennemis détectés près du laboratoire. Avancez avec prudence. C'est quand ils tirent dessus qu'on peut vraiment parler d'ennemis. Je suis pas en train de faire seul contre l'AIM? Mettez-moi à portée de leur point d'accès suffisamment longtemps et je nous ferai entrer. Et de l'AIM, où le piratage risque d'être interrompu. Ah! Je progresse. Restez à proximité de la jonction et repoussez l'AIM. Faut pas m'amuser. Passer le premier pare-feu. Ouf. Ils sont nombreux là. C'est les petits drones qui m'emmerdent le plus. C'est les petits drones qui m'emmerdent. Ouh. Ah non, c'est impossible. C'est les petits drones qui m'emmerdent le plus. Ah. Ils sont impossibles. Allez Marcus, tu peux trouver une alternative, t'es pas obligé de rester dans le cercle, si. Ah, faut tout reprendre. Ah. Oh. Allez. Mettez-moi à portée de leur point d'accès suffisamment longtemps et je nous ferai entrer. Repoussez les unités de l'AIM, ou le piratage risque d'être interrompu. Allez Marcus, un peu de concentration sur les tirs, parce que là c'est pas ouf. Oula, les FPS ils reviennent ou oui? Je progresse. Restez à proximité de la jonction et repoussez l'AIM. C'est le petit qui m'emmerde. C'est le premier pare-feu. Oh. Allez. Je m'occupe pas assez. Ouais, bah je suis occupé. J'y suis presque. Ah. Ah. Ah, je m'en doutais.
J'ai l'impression de jouer à Monster Hunter presque, tellement c'est punitif. Tout seul, il y a beaucoup d'ennemis, ils sont assez solides, et les capacités mais ne rechargent jamais. Allez, on peut le faire. Mettez-moi à portée de leur point d'accès suffisamment longtemps, et je nous ferai entrer. Repoussez les unités de l'AIM, ou le piratage risque d'être interrompu. Ah, j'ai plus d'énergie, fuck! Je progresse. Restez à proximité de la jonction et... Oh. Ah, c'est fini, je peux plus bouger. Le jeu en chie de plus en plus. Je trouve, c'est assez grave. Bon. Reprenons depuis le début. Je fais un petit peu le ménage. Et restons concentrés. Mettez-moi à portée de leur point d'accès suffisamment longtemps et je nous ferai entrer. Repoussez les unités de l'AIM, okay. Ou le piratage risque d'être interrompu. Oh. Je progresse. Restez à proximité de la jonction et repoussez l'AIM. Oh. Ah, je peux pas. La santé était juste là. Ah ! C'est pas possible. C'est pas possible d'y arriver en fait. En fait, à chaque fois que je meurs, le jeu décède, lui aussi. C'est violent. C'est vraiment violent. Mettez-moi à portée de leur point d'accès suffisamment longtemps et je nous ferai entrer. Repoussez les unités de l'AIM ou le piratage risque d'être interrompu. Je progresse. Restez à proximité de la jonction et repoussez l'AIM. Allez, Marcus.
j'ai passé le premier pare-feu. Ok. Allez! J'y suis presque. C'est même pas le... l'indicateur de mission. Allez, tombe! Sécuriser la zone, c'est bon? Désolé. Petit, il est mort, le petit, il est mort. Allez! Putain, c'est dur. Et à contrario, les gros robots me font beaucoup de dégâts. Les petits robots me font beaucoup de dégâts, mais lui... Oh si, quand même. Si, quand même. Alors, voyons voir. Ma mémoire, ça faisait plus de taf dans... dans la bêta, ces lasers. Pas trop tôt. Monsieur, j'ai réussi à infiltrer les systèmes de sécurité de l'AIM. Par ici, ouais, c'est un peu ça que j'ai fait. Les signatures thermiques suggèrent qu'il pourrait y avoir... Permet deux secondes, merci. Il va falloir. Ça va être pété. Claire, non, c'est ça qu'il me faut. Faut pas que je cherche plus loin. Il faut de quoi nettoyer les zones. Donc, ce nécessaire. Sont pas les noyaux déclencheurs. Difficile à dire, mais depuis que notre intrusion a été détectée, l'AIM a initié une séquence d'autodestruction. Et ah ouais, carrément, c'est des malades. De la signature thermique. Laisse-moi deviner. Ça pourrait faire du grabuge. C'est exact, monsieur. Pas question que l'AIM détruise une autre ville. Alors, si tu permets, je vais pas utiliser l'ascenseur tout de suite. Bien joué. Oh, du bleu. Le bleu, je récupère, hein. Me fais pas prier. Ouh. Alors il y a un truc qui va pas au niveau du vol d'Iron Man. Du violet. Au niveau du vol d'Iron Man, c'est que c'est en toggle. D'ailleurs, au passage. C'est-à-dire que quand je vole, j'aimerais qu'il ne soit pas en toggle. Marqué là. Voilà. Aide à la visée lourde. Ah, c'est clair qu'elle est lourde. Confirme. Mais bon. Faudra que je teste ça dans d'autres circonstances qu'en difficile. J'ai pas l'impression que... Ça devrait être ça en fait, mais j'ai l'impression qu'il y est pas le truc. Je les vois pas les missiles. C'est un truc de ouf. Vous voyez là par exemple là j'ai lâché le bouton. Du coup.
le déplacement se fait tout seul, sans que j'aie à faire quoi que ce soit. Si je lâche, il est juste ralenti, je peux même le ralentir encore plus. Ah, c'était l'ascenseur, ok, cool. C'est pas la même façon de l'utiliser, le vol, que dans la bêta. Et je trouve ça un peu dommage. Je préférerais rester appuyé sur le bouton de sprint. Ou voire même mettre l'option, tout simplement. Bien. On a perdu du temps, je crois qu'on a perdu 20 minutes sur cette mission. Désolé. Je m'inquiète un petit peu au niveau du tournage. La salle de contrôle du réacteur devrait être au bout du couloir. Elle sera certainement bien gardée. Pas de faute, bienvenue, bien compris. Voilà. Reconnaissons-le, c'est un peu mieux comme ça. Des secrets par là? Oh, d'accord. Alors ma réaction est oh d'accord, parce qu'en fait elle est identique cette scène en tout point. Est-ce que... Oh là, est-ce que j'avais pu faire... Pardon. Dans la bêta. Même emplacement en fait de... Il y a un coffre d'équipement à proximité. T'inquiète, je vérifie juste qu'il n'y a rien d'autre. Monsieur, le temps nous est compté. Regarde-moi ça. Est-ce que c'est ma faute? Ce n'est pas le moment. Bon, ok. J'y vais. Quoi? Le temps nous est compté. Ah bon? Et en quoi? En quoi est-ce que le temps nous est compté? Voilà, il y a de plus en plus de lag. Même problème que dans la bêta, hein. Memory leak. En tout cas, c'est ce que je crois. Bon, ça valait le coup de m'arrêter pour ce mob. Clairement. La question, c'est comment j'ouvre cette porte? Ce n'est pas loin. En appuyant sur le bouton. Logique. Une salle de ressources, très bien. Au moins on sait à quoi on a affaire. C'est toujours plaisir. Je pourrais obtenir plus d'informations une fois sur place. Il y a quand même un sacré feeling qui est assez étrange avec Iron Man, c'est que c'est un glass cannon en fait. J'ai l'impression qu'il fait très mal, mais par contre il est pas en mesure d'encaisser du tout, c'est pour ça qu'il a tous ses contre-boucliers, etc. Par exemple, même quand il vole, comme les ennemis ont tendance à toujours toucher juste. Veuillez rejoindre la zone indiquée. Oui, Jarvis. J'avais même pas vu. Temps pour moi. Alors le niveau de puissance max apparemment dans le jeu à sa sortie c'est 150 les amis. Ça me semble important de le préciser.
Je sais pas ce qu'il y a derrière ces portes, mais l'AIM est prêt à tout détruire pour le cacher. Voyons voir. Oh non, c'est pas bon ça. Nope. Pas bon du tout. Mais mission qu'on a déjà faite encore en fait. Réacteur Arc mais en XXL. Donc joli. Il revient du garbage. Joli, joli. En XXL. Qu'est-ce qu'il cherche à faire au juste? Ah, salut mon mignon. J'aurais juste aimé ne pas être seul et j'ai pas l'impression que Monsieur, je devrais être seul. Les réacteurs sont de plus en plus instables. Ouh, ça lag. Vous Ouh, devez ça tout lag. Désactiver. La destruction de ces amplificateurs devrait les désactiver. Oh, l'auto-aim est assez violent. Hein. Allez. Avec Hulk, c'est quand même mieux à faire. C'est plus rapide. Pareil avec Kamala. Il reste plusieurs noyaux, monsieur. Je ne cracherai pas sur un petit bravo de temps en temps, tu sais. Putain, j'ai pris des coups avant de pouvoir réussir à parer. Ah, c'est pas un... D'accord. On va rusher. Ah, j'y fais tellement mal. Non, me monte. Pourquoi elle est pas montée dedans? C'est triste. Ah, me dis pas que... Ah, bon bah dis donc. Il manquerait pas certaines animations. Oh là là, le jeu. Les FPS tombent. On va pouvoir mettre les voiles. Ça c'est fini. Oh là là, les FPS, les FPS, mon dieu. Sont très nombreux. Ouf. Ouf, ça va être tendu. Ils sont très 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 nombreux, pardon. Et plein de PV. Ils sont très nombreux et plein de PV. Oh là, ça va faire mal ça. Allez. Je peux essayer de... Voilà. Fais flasher. Des ennuis par ici. Vite, bouge-toi le fion. Je l'ai pas pété. Non. Il lui reste combien de points de cul de, point de, enfin, de poils de cul de PV quoi. Non. Oh, c'est dur. Et le jeu ne supporte pas de perdre. 5 FPS pendant le chargement. 30 FPS en moyenne. C'est pas normal. La salle de contrôle du réacteur. Ah, puis il y a tout à refaire. Couloir. Elle sera certainement bien gardée. Bienvenue, bien compris. Je sais pas ce qu'il y a derrière ces portes, mais l'AIM est prêt à tout détruire pour le cacher. En fait, plus on joue au jeu, plus de la
de la mémoire, enfin plus de la mémoire est utilisée sans avoir de déchargement de la mémoire. Du coup, la mémoire est saturée par des choses qui ne servent à rien. Tout désactiver. La destruction de ces amplificateurs devrait les désactiver. La vache. Prends ultra cher. Il y a des ennuis par ici. Lol. Bon, j'ai eu C. Il reste plusieurs noyaux, monsieur. Je fais ce que je peux. Pas sur un petit bravo de temps en temps, tu sais. Surtout que le jeu ne veut pas me laisser faire, hein. En termes de framerate, je veux dire. Bravo, monsieur. Ah, tu vois quand tu veux. Ok. Je suis presque. On va pouvoir mettre les voiles. Oh, c'est moche que ça bug autant. Dans tous les sens, hein, que ce soit le framerate ou... Ah putain, celui-là, je l'avais déjà fait. Oh non, ah, c'est honteux. Il veut pas. Ça y est. Ouh. Oh là là, oh là là, le jeu n'y arrive plus, hein. Alors du coup, je suis très inquiet sur la qualité du stream. Ah, de l'enregistrement, pardon. Très 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 inquiet. Et pas de dialogue ? Il y a un ennemi derrière qui est bugué ? Pas le moindre dialogue ? On a l'impression qu'il parle ! Non ? Bah putain, très bizarre la fin. Très 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 bizarre la fin. Tony, ça fait des heures qu'on cherche. Mais il y a une zone que j'ai laissée de côté. On y est presque. What ? C'est un foyer d'activité de l'AIM. Tu me relances une mission ? Appel au grand gaillard. D'accord, les enfants. Je compte sur vous pour trouver cette deuxième signature thermique. Avec un peu de chance, on récupérera un joli paquet de noyaux déclencheurs. L'AIM ne va pas tarder à retrouver la trace du chimère. Et sans base d'opération, eh bien... On risque de boire la tasse. Alors je compte sur vous. Hein ? Et bonne chance. C'est beaucoup de pression. Mais non. Oh là là, le nombre de bugs. Enfin, si, oui, quand même. Ok. Je suis un poil déçu là. D'un seul coup, tout arrive d'un coup. Jarvis, qu'est-ce que je dois faire ? La seconde signature thermique est constituée de points épars qui entourent une zone centrale assez importante, ce qui laisse supposer une concentration de noyaux déclencheurs potentiels. Ils doivent être stockés dans un lieu unique, un bâtiment sans doute. Compris. D'accord, et bah ça écoutez les amis, ce sera pour la prochaine fois. Je pensais pouvoir farmer un petit peu le jeu et m'entraîner avant de reprendre le prochain épisode, mais malheureusement comme on est en pleine mission qui se déclenche, je ne peux pas. Donc soyez indulgents, j'espère, sur la difficulté. C'est vrai que pour le coup, je prends très très cher et je fais de mon mieux pourtant. Mais il va y avoir du boulot sur l'amélioration en tant que joueur. Parce qu'en fait, finalement, ce n'est pas du tout comme dans un Batman. C'est pas quand on voit l'icône qu'il faut appuyer sur le bouton. C'est à la fin de l'icône. C'est du coup très précis. Mais bon, il va falloir beaucoup de travail pour que je m'améliore. Et malheureusement, je ne pourrai pas le faire suite à cet épisode. Merci en tout cas d'avoir suivi celui-ci. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager et vous abonner. Moi je vous retrouve demain pour la suite. Salut les gens et yop !